La coordination des programmes du groupe scolaire Cœur de Mélie a piloté la réunion des parents d'élèves et la direction de l'établissement site de Pointe-Noire, une première en cette année scolaire. Échange sur les questions relatives au fonctionnement de l'école dont le programme scolaire et mise en place du bureau des parents d'élèves, tels ont été les points saillants de cette activité. Quelques tuteurs au sortir de cette réunion. Au départ, quand l'enfant était arrivé ici, il avait un peu de lacunes. Maintenant, au fur et à mesure qu'on évolue, quand il vient à la maison, parce que chaque soir, il y a des devoirs qu'il doit faire. Et je vois vraiment une évolution. Pour moi, cette rencontre est très symbolique et très rassurante. Nous avons eu à rencontrer le personnel de l'établissement. Cela nous a rassurés et nous sommes très contents et très fiers au sorti en fait, de cette première assemblée générale entre parents d'élèves et le personnel enseignant de l'école. Patrick Contal, coordonnateur général des programmes du groupe scolaire Cœur de Mélie, sur l'intérêt de cette réunion. C'est des moments très importants où chaque parent doit exprimer ce qu'il constate. Nous avons entamé le premier mois, nous sommes en train d'entamer le second. Il est donc judicieux que nous puissions faire la synthèse aux parents pour que les parents comprennent quelles ont été les activités pilotées au sein de notre école. Vous avez vu la mise en place d'un bureau des parents d'élèves, je voulais dire. Et puis les échanges des parents à l'endroit de l'école à l'endroit des parents, vous avez vu. Donc c'est pour dire que nous ne pouvons pas prétendre enseigner les enfants qui sont sortis des horizons divers sans pourtant qu'il y ait la communication. Cette activité initiée par le groupe scolaire Cœur de Mélie s'inscrit dans le cadre d'une série des programmes prévus en cette année scolaire. Signalons que le groupe scolaire Cœur de Mélie est à sa première année dans la ville océane après l'expérience réussie de Brazzaville.